Essaie de mettre dans tes rêves les plus fous, tu me rattraperas jamais. Dans mes rêves les plus fous. Alors déjà, je suis toujours premier. T'as que des meufs au gros sein, 105F, des orgies, de l'alcool. C'est ça, mec. C'est ça, être un vrai mec. Ouais. Allez, t'es prêt? Ouais. Mumbo, Mumbo, petit automobile, file, qui paraît si fragile, file, sous ton drôle de capot, Mumbo. Salut les amis, comment ça va? C'est la nouvelle année! Salut, bonne année! Salut, ça va bien? C'était pas possible, c'était quoi? C'est la nouvelle génération. C'est le nouveau bac à survolter et tout et tout! En fait, t'as vu le loup de Wall Street et t'es dit en fait la drogue c'est génial! Et tu t'es dit je vais en prendre plein, c'est ça? Bonne année Romain! Ouais, bonne année! Et bonne année à toi aussi! Ça fait plaisir! Et bonne de année à tous tes spectateurs! C'était podcasteur ou je sais pas vous, les fins qui est derrière, voilà. Il vous a parlé! Bonne année! Merci de nous suivre encore en tout cas! Surtout la santé! Hein? La santé! Pour qui? Pour les gens. Ouais, du moment que qualité et que tu regardes Bacchus sur un écran, c'est vrai, va, c'est je m'en fiche. Donc, du moment que vous avez encore vos yeux et vos oreilles, c'est le principal. Et donc, ça va, t'as bien fait la fête? Ouais, ouais, c'était un truc de ouf. Alors, j'ai remarqué un truc que, et je pense, j'espère, vraiment, et tu vas les garder, les favoris? Ah oui, je vais les garder, bah, pour encore quelques mois. Ouais. Et ça marche bien auprès des femmes? Ouais, ah oui, ah oui. Surtout les grand-mères, ça leur rappelle l'ancienne époque. Et comme j'ai besoin d'argent, de cash, ça marche très bien. Voilà. Tiens. Ah là, c'est le bon truc. Je vais devoir essayer les favoris alors. Oui. Mmh. Je pensais que c'était plutôt le petit book ou un truc. Ouais, le book, c'est plutôt les favoris. Mais toi, c'est assez bizarre. En fait, t'as aboli tout poil ici pour faire un sort de truc bizarre. Mais tu sais qu'à une époque, hein, tu ressemblais à Satoshi Kon. C'est vrai. T'as extrêmement changé, on va dire. Bien, hein. Mais j'aime changer. J'aime cette idée d'être plusieurs personnes. Tu vois, être une sorte de double. Un peu comme. Regardez, Satoshi Kon était dans Cinefuzz. Oui, c'est vrai. Il était dans Satoshi Kon. Satoshi Kon est un peu fatigué. Ouais, c'est ça. Mais jeune. Et du coup, est-ce que t'as. Ta copine était contente de coucher avec Satoshi Kon pendant quelques temps? Elle est plus contente de coucher avec un sosie des années 50 maintenant, pour te dire la vérité. Alors, je pense qu'elle est plus contente. Parce que j'ai fait de la muscu aussi, je me suis. Ah, je pensais que c'était la chemise qui était rembourrée. En fait, c'est vraiment. Non, c'est vraiment moi. Putain, ouais, wow. Je te vois toujours de l'autre côté. Oui, je sais, bah oui, Bon, c'est bravo, franchement, c'est bien. Ça, même toi, maintenant, t'as envie de coucher avec moi. Tu as des favoris, le muscle, ça marche tout de suite. En fait, tu sais. Mais pas, c'est pas le sujet de. C'est vrai, c'est une thématique, quoi. C'est, la thématique, c'est le changement du réalisateur. Oui, c'est super intéressant. Donc, comme vous avez deviné, puisque en plus vous avez cliqué sur la vidéo, il y avait le titre, on va vous parler de Satoshi Kon. Ouais. Voilà, explique-nous pourquoi. Parce que c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup et qui ensuite ils ont ressorti récemment une des éditeurs, des nouveaux éditeurs, ça fait pas longtemps qu'ils sont sur le marché en France, qui ont ressorti donc du coup un manga, on va dire, complet de Satoshi Kon qu'il avait fait avant de justement devenir réalisateur et de faire Perfect Blue, entre autres, etc. Et du coup, bah, c'était un bon moyen de découvrir un peu, donc ça s'appelle Opus, ou Opu, si tu n'as pas envie de mettre le. Opus.
Donc du coup, on va vous en parler dans la première partie. Exactement. Et après, on va faire un dossier sur justement l'œuvre de Satoshi Kon. Mm. Voilà, ce qu'il nous évoque et comment, pourquoi il s'est transformé en Satoshi Kon quand il était plus jeune. C'était une expérience artistique. C'est ça, exactement. C'est ça. Il pensait devenir un réalisateur aussi bon. Ouais, je pensais que maintenant, il a juste Bacchus. C'est vrai, j'ai terminé avec Bacchus, donc c'était pas top. Voilà, et puis après, on va finir avec un Awak sur vos retours. Et il y a Cédric qui va venir. Cédric qui va revenir. Ouais, exactement. Et on parlera des œuvres qui vous ont marqué l'année dernière. Voilà. Allez, c'est tout de suite dans Bacchus. Alors, Opus, est-ce que tu veux nous parler un petit peu? Déjà, si tu nous Opus dans l'œuvre de Satoshi Kon. En fait, j'avais oublié son prénom. C'est son... On est là pour qui? Ouais, c'est vrai. Mamoroshi. C'est vrai qu'on pourrait parler de Mamoroshi parce qu'il c'est vrai. Alors, il y a un troisième tome qui est sorti, ça s'appelle Séraphin, ouais. Qui est en fait scénarisé par Mamoroshi, dans la même époque à peu dessiné près. Dessiné par Satoshi Kon. On va parler d'Opus surtout parce que c'est dans c'est l'univers. Écrit et dessiné par Satoshi Kon. Ce qui est intéressant, c'est que oui, nous on connaît surtout Satoshi Kon parce que c'est un réalisateur qui a fait des films assez fantastiques, qui a beaucoup marqué les années 2000, on va dire. Ouais, Paprika, Minimatrice, Tokyo Hotel. Perfect Blue, etc. Et la série Paranoïa Agente. Et en fait, avant, bah, il a fait ses armes, on va dire, en tant que mangaka. Quoi. Et on va dire que Opus, on va dire que c'est là où il commence à avoir une identité assez marquée de ce qu'il va vouloir faire par la suite dans le cinéma. Donc il y a ces thèmes. Tu veux raconter vite fait l'histoire? Ouais, alors l'histoire, c'est donc un mangaka qui est en train de terminer une série qui s'appelle Décadence, je crois, non, je ne sais plus. Résonance, ouais, exactement. Oui, ça a plus de sens d'ailleurs. Qui s'appelle Résonance, et en fait, il est en train de terminer la dernière page où il va tuer un des héros de la série qui va tuer le grand méchant, qui est une sorte de héros masqué. Donc, je sais pas, le manga Résonance, c'est une sorte de. Je sais pas, de. City Hunter mélangé avec je sais pas quoi. Enfin, c'est très bizarre. Ouais, c'est une sorte de drame psychologique, et en fait, il est validé par son éditeur. Oui, c'est la dernière page, quoi. Il doit faire le dernier chapitre, le dernier épisode. Et en fait, il doit être tué pour faire revenir les gens, en fait, parce que son manga, il est vraiment en chute. C'est ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que t'as le héros qui va mourir, en fait, va sortir des pages des mangas qui sont en train de se dessiner, et il va voler la dernière page du manga où il va mourir. Voilà. Et du coup, il va. Pas Satoshi Kon, donc le héros, mais c'est qui est Satoshi Kon, en fait, plus ou moins. C'est une sorte de penchant. Il va rentrer dans le manga, finalement, et il va rencontrer l'héroïne de Résonance, que c'est le vrai personnage de Résonance, c'est une femme, qui est une sorte, qui est on va dire, son idéal féminin qu'il a créé dans cette histoire-là. Et là, il va commencer à rencontrer tous ces personnages, il va rentrer dans le manga, en tout cas au début, mais après, ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. Ça, c'est la première couche de méta-complexification du comment scénario. Comment on rencontre son créateur, et pourquoi on est qu'en fait un dessin, puis à un moment donné, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la fille va sortir et va être dans le monde réel, un peu comme les Station Hero. Oui, c'est ça, exactement. Pour Bucaire, on est dans des trucs très, très proches. Et donc vraiment toujours avec le délire un peu méta. Et aussi, la chose que j'aime bien, c'était la confrontation avec sa vraie copine dans la vraie vie, où il se rend compte qu'en fait, le personnage se rend compte qu'en fait, c'est une création par rapport à sa copine. Une projection. Ouais. Et puis après, il y a plein de choses, parce qu'en fait, du coup, ils vont passer de chapitre en chapitre. Et ça va être du voyage dans le temps, puisque les personnages vont aller dans les premiers volumes du manga pour pouvoir changer le passé. Alors c'est très brouillant, et vous vous dites, mais comment j'arriverai à comprendre ça dans un manga en noir et blanc? Mais en fait, la classe de Satoshi Kon, c'est que c'est très limpide, et que comme dans tous ces films qui sont complexes, et ben on comprend toujours tout. C'est vraiment, c'est limpide, il n'y a pas de problème pour ça, vous en faites pas, vous vous y retrouverez. On vous conseille vraiment. La fin, par contre, du coup... Ouais, alors c'est le problème. Ça, on le sait dès le début, en fait. C'est que le manga n'a pas été terminé, en fait. Le magazine de prépublication s'est arrêté. Donc, c'était Comic Guys. Et c'était un magazine, si j'ai bien compris, qui était un peu avant-garde, quoi. Enfin, qui était un peu plus expérimental, qui cherchait des trucs un peu différents. D'où le fait que Satoshi Kon ait pu faire ça, quoi. Et donc, du coup, il n'a jamais pu terminer sa série. Et il a juste fait une sorte de dernière...
enfin un dernier chapitre en fait, qui est même pas finalisé, c'est-à-dire qu'il est même pas terminé au niveau du crayon, du dessin. Il n'y a pas de trame, non, c'est juste du crayonné. Parce qu'en fait, il n'est jamais sorti, il voulait quand même le dessiner, il l'a fait, si j'ai bien compris, et jamais édité par contre. Ouais, jamais édité. Et c'est juste là pour l'occasion. C'est pour l'occasion qu'ils ont été récupérés ça dans les, chez lui, j'en sais rien. Bah, tu sais que sa femme est très... on va dire. Elle bosse beaucoup. Elle bosse beaucoup, voilà, pour l'œuvre de son mari, en fait. Non, mais c'est bien. C'est bien, parce que justement, ça nous permet d'avoir d'autres choses de lui, alors qu'il est mort depuis à peu près 2 ans. Bah, c'est elle aussi qui avait commenté la lettre de Satoshi Kon. Oui, parce qu'en fait, il écrivait dans des blogs, et du coup, il avait écrit tout un truc. Juste avant de mourir, vraiment, quelques jours avant de mourir, quoi. Donc, c'était assez. Il avait expliqué qu'il avait un cancer. Voilà, il y avait tout ça. C'était une lettre assez forte. Elle refroidit, ouais. À l'époque, tu vois, ça nous avait vraiment fait mal, quoi. Oui, oui, bah c'était un... Surtout qu'il laissait, sur le carreau un film, donc Dreaming Machine. Oui, qui était aussi adapté du même auteur que Paprika, je crois. Oui, il me semble aussi. Et ce film-là, normalement, devait être continué par le studio Madhouse. Ça a été arrêté au final. Mais il y a Masao Maruyama, le créateur du studio Madhouse, qui s'est barré, qui a créé un autre studio, là. Lui, il l'a dit, avant sa retraite, il veut le faire, le film. Ah ouais, c'est vraiment son rêve, il veut le continuer, il est terminé. Dans la lettre, avant de mourir, il disait que c'était son plus grand rêve, c'était pas terminé, ce film-là, quoi. Mm. Bon, donc ça serait bien que c'est vrai de le faire. Donc finalement, qu'on ait une espèce de bribe du truc, et pas si mal, quand même. Sachant que finalement, le truc est quand même assez bien terminé. Ouais. En fait, le vrai problème de cette série, c'est qu'elle donne vraiment envie, tu rentres dedans, tu vois un peu que c'est quand même une première œuvre, c'est-à-dire que... Moi, ça me fait pas mal penser aussi à Charlie Kaufman, quoi. C'est dans la peau de John Malkovich, dans... je sais pas si c'est Charlie... Enfin, dans la peau de John Malkovich, dans l'adaptation aussi de Spy Jones. Donc, des films sur la mise en abîme, quoi. Et parfois, des films où on a pas l'impression qu'ils essayent d'être un peu plus malins que d'autres. Même si, genre, vous êtes fan de la série Community, pensez à Abed dans Community, par exemple. Voilà, je vais plein de références, mais... Et c'est plein de choses comme ça qui font que... Mais ce qui était bien avec Satoshi Kon, c'est qu'il y avait toujours un côté très pop qui faisait que cette mise en abîme-là, même si c'était un peu un truc de petit malin, ça arrivait à passer, quoi. Et dans celui-là, il est un peu plus jeune, donc ça reste un peu plus... C'est surtout que c'est un manga, donc il ne peut pas y mettre les musiques qu'il met d'habitude, toutes les couleurs qui... Mais quand même, à la fin, on rentre dans une ambiance ultra glauque. Genre, il y a un tueur d'enfants travesti qui fait penser à des films de De Palma et tout, c'est très malsain. On arrive dans Perfect Blue. Hein. Ouais, et puis et justement, le film, de toute façon, ça se termine au moment où il va faire Perfect Blue. Il travaille sur le storyboard de Perfect Blue. Donc en fait, ça, c'est l'un de ses derniers mangas en soi, si j'ai compris, parce qu'il avait déjà fait Magnetic Rose, donc l'un des segments de Memories de Otomo. Mmh. Il avait écrit, en fait, le scénario, le tout premier. Et c'est un scénario, pareil, tu sais, qui t'amenait dans une sorte d'euphorie. Faut jouer, ouais, celui-là, ça fait longtemps, mais je me rappelle. Mais génial, ça flirtait avec 2001, c'est de l'espace. C'était un des meilleurs de mémoire, je trouve. Bon, les trois, c'était vraiment génial. Mais celui-là, il était vraiment, vraiment très, très soigné. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, sinon, en soi? Pourquoi tu veux nous en parler, là? Parce que tu m'as dit, il faut qu'on en parle, déjà, moi. Mais c'est tellement génial. Oublié, tu m'as dit, non, mais surtout, ça sort des sentiers battus. On n'est plus dans du Naruto ou des choses très commerciales. Là, c'est un éditeur qui en sort pas énormément. Et c'est quelque chose vraiment qui mérite d'être lu. La fin est assez malsaine avec un tueur de petites filles, etc. Vraiment, par contre, tu spoiles pas. Hein, non, mais je dis pas la question, c'est le début. Mais c'est assez fort. Et puis j'aime bien parce qu'on retrouve vraiment les obsessions du mec. Le dédoublement, la mise en abîme, la création, l'imaginaire, enfin tout ça, quoi, le délire méta. Toujours cette mise en abîme, on part de la base pour pouvoir voir que le personnage central est finalement rentre dans l'histoire qu'il a créée. Enfin, c'est un enchaînement. Et ça devient personnel en plus. À chaque fois, c'est ça qu'on sent, c'est qu'on sent le côté personnel du truc. Et ça fait effet boule de neige, c'est-à-dire que vous allez vous engouffrer dans des portes et des portes et des portes et des portes, et toujours vous saurez où vous êtes. Moi, c'est ce qui m'impressionne dans ce bouquin, c'est qu'il est extrêmement labyrinthique, mais qu'il va vraiment bien vous situer les lieux, etc. Pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de mangas, il a quand même des idées que moi je trouve géniales. Genre, il utilise carrément même les idées planches, quand on lit une planche, pour voir des mecs qui vont passer d'une planche à l'autre. Ouais. Mais réellement, genre, c'est-à-dire qu'il va utiliser la structure même du manga donc le mec avait déjà ces délires comme ça, de passer. Et pour quelqu'un qui n'a pas fait en plus 500 mangas, qui n'est pas connu surtout pour ça, on sentait que cette œuvre-là, elle lui tenait quand même à cœur. Ouais, quoi. Bah totalement. Et c'est marrant parce qu'on voit quand même ces obsessions qui vont revenir après en série télé ou au cinéma. Moi, j'adore visuellement, ça déchire. Ah, oui, ce que je voulais dire, c'est que
trouve qu'on retrouve vachement le style de Conn même dans les... Ah, le chara-design, c'est exactement ouais, ça. Exactement. Mmh. Et il y a un côté un peu ancien quand même, un truc un peu années... Années 90. Années 90, ouais. Ouais, totalement. Mais même 80, moi ouais. Je trouve que ça reprend énormément des dessins de bah, Otomo. Là, je pense au hasard, mais voilà, c'est vraiment des délires... Voilà, les la page, dans 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 la page. Alors oui, je disais, ça reprend les dessins d'Otomo. Vous savez, vous avez de grandes infrastructures qui se détruisent avec des personnages qui volent dans les décors. Oui, exactement. Et à cette époque-là, il traînait beaucoup avec Otomo. Mmh. Bah, ouais, on c'était un peu son apprenti. De l'animation. Par exemple, il avait travaillé sur Runjin Z, que Otomo avait supervisé. Tu vois, il avait travaillé les décors, par exemple. Donc, il était vraiment avec Otomo. Et Otomo, tu sais que c'est un papa. C'est vraiment le papa de l'animation pour beaucoup d'auteurs. C'est lui qui a fait pas mal d'omnibus, tu sais. Il avait fait le super segment Robot Carnival. Il a adapté un de ses films d'animation en manga, Conn. Hein. Appartement horreur. Ah oui, ça c'est le film. Ouais, c'est film live. Il l'a fait en manga. Au début des années 90. Conn l'a fait en manga. D'accord, ok. Par là de demande de Conn. C'est Conn qui avait demandé à Otomo de pouvoir le faire en manga. Ok, bah tu vois, comme quoi ils étaient vraiment liés, je pense. Donc c'est touchant, et puis ça se ressent, le travail d'Otomo derrière le travail et de... Et juste pour terminer sur la fin, alors le vrai problème, c'est que du coup, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que vraiment, au niveau des personnages, le truc ne se termine pas. Mais il y a un choix. Et le dernier chapitre, c'est un chapitre, c'est une espèce de pirouette qui est ultra maligne, mais qui ne vous conclut pas du tout l'histoire. Mais qui est vraiment génial. Qui est agréable parce que... On sent l'honnêteté du mec et on est quand même très content du truc. Quoi. Donc la force du bouquin fait que vous pouvez passer outre cette fin qui n'est pas aboutie et vraiment passer à l'achat parce que ça vous donne tellement en deux tomes. Si t'aimes bien Conn, ça va te faire plaisir parce qu'on le retrouve réellement concrètement dans le manga. C'est là où et là, on sent que c'est le mec qui était sur sa planche en train de dessiner à fond. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Oui. Dans un film, tu as toujours mis l'intermédiaire pour créer ton image. Mais là, tant que c'est vraiment son œuvre, et que finalement, ces films, ils auraient pu être encore plus compliqués si il n'y avait pas tout le processus filmique, les dessins, le scénario, etc. Donc vraiment, c'est non, vraiment, c'est une pépite et c'est agréable de découvrir un peu des trucs qu'on n'a pas vu de lui, quoi. C'est ça. Moi, j'aime bien. J'étais très content. Et ça nous conforte dans pas mal d'idées qu'il a toujours abordées et qu'on va aborder dans la partie dossier. Donc on revient sur la thématique qu'a abordée Satoshi Kon pendant toute son œuvre. Son œuvre. La grande œuvre. Non mais soyons honnêtes, Satoshi Kon est un mec qui a fait 5 films. Et une série. Donc attends, non, 4 films. 4 films et une série. Et une série. Voilà, il n'a pas fait grand-chose, mais ça a suffi à marquer vraiment toute une génération. Voyons les choses en face, hein. C'est quand même un mec qui avait du talent. Pour moi, c'est, mais je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, c'est le meilleur réalisateur japonais des années 2000. Mais pour moi même, pas que l'animation, vraiment, c'est le mec qui a imposé une patte. J'ai l'impression que ça a marqué les années 2000 jusqu'à sa mort. Enfin, il y a eu une espèce d'air où c'était lui, quoi. Hmm? Mais que ça soit chez les critiques live ou pas, parce que c'est un mec qui plaisait énormément aux gens qui aimaient les films live. Tu sais que c'était lui, là, il fait partie de cette transition, c'est... Il est dans cette ancienne génération des années 80, de ces auteurs qui ont fait que l'animation japonaise a emprunté des codes cinématographiques et a fait vraiment des vrais films. C'était plus du dessin animé, tu vois. Fait partie de cette génération-là, mais aussi de cette génération des années 2000, de ces nouveaux auteurs, parce que lui, il a vraiment percé qu'à mi-90. Donc, au final, il était entre deux. Et il a eu des bons maîtres. Et en même temps, après, c'est devenu un bon maître. C'est lui qui est passé. Enfin, voilà. Et à un moment donné, c'était quand même le réel qu'on entend. Et du coup, plus, pendant les années 2000, tous ces auteurs des années 80, comme Mamoru Oshii, Otomo, etc., c'était plus des films, pas expérimentaux, mais des gros tests. Oui, mais c'est bien ça. Ce que je dis, c'est que lui était encore au début et il était en train d'explorer des. Enfin, c'était lui le nouveau grand. L'ancien nouveau. Ouais, c'était l'ancien nouveau grand, j'allais dire. C'est ça. C'était un peu ça, quoi. Donc lui, il était vraiment au milieu où il n'y avait personne d'autre autour de lui. Bah, son style, il est. Moi, je trouve qu'il a vraiment laissé un énorme trou. Hein. Enfin, je trouve. Parce que
Il n'y a pas grand monde qui peut essayer de faire quelque chose qui reste, quoi. Bah, tu sais que là, Madamu, il fait la gueule. Hein. Moi, je suis content qu'Otomo refasse sa série de courts-métrages-là, mm-hmm. parce que ça me permet Champions. De revenir sur un esprit de film d'animation qu'on ne retrouvait plus beaucoup, je trouve. À part peut-être Osoda, où des fois je pourrais te dire. Alors justement, il y a Madhouse, une fois qu'ils sont perdus Kon, ils vont tout miser sur Osoda. Mmh. D'accord ? Et Osoda, il va se barrer. Et le producteur, il va se barrer aussi. Donc du coup, Madhouse, franchement, je donne pas cher de la peau du studio Madhouse, oui. qui maintenant fait beaucoup de productions pour l'étranger, etc. Je pense qu'ils vont perdre un petit peu d'âme. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va reprendre les rênes et qui va propulser des bons auteurs. Je m'en fous que ce soit, soit Madhouse ou Oda, parce que je dis, c'est surtout l'esprit du. Tu vois, c'est. Les dernières années, on avait beaucoup de films un peu, tu vois, sur des trucs un peu intimes, etc., personnels. Kon avait vraiment un truc différent, quoi. Mm. Quelque chose qui était plus de genre. Oui, c'est plus ça. Dans le cinéma de genre et dans le délire méta. Bah, déjà, c'était beaucoup plus, méta, un peu plus psychologique. Mm. Et surtout, il y avait un rapport plus avec, adulte aussi, il y avait un rapport avec le cinéma. Ouais, c'était adulte. Un rapport avec le cinéma que les autres n'ont pas. Mm. Lui, il va vous parler, toujours la mise en abîme, il va vous parler du cinéma et il va vous le montrer. Par exemple, dans Paprika, il va te parler du pan focus, il va l'utiliser. Le mec, le héros, c'était un détective qui va... Moi, il est habillé quasiment en Kurosawa, quoi. C'est une caricature. Il va t'expliquer qu'en fait, il aurait voulu être un réalisateur. Oui, dans Millennium Actress, c'est une actrice donc, qui va transposer son histoire dans des flashbacks. Et du coup, tu vas aller avec les journalistes sur les lieux de tournage. Mmh. Dans Perfect Blue, c'est quoi? C'est pareil, c'est... Une idole qui serait convertie en actrice. Ouais, en actrice. Donc tu vas l'avoir sur les plateaux, la pression du tournage et tout ça, des autres regards. Et alors, Blade Phaser qui est un peu différent, c'est l'univers de Capra. C'est quand même un des rares réalisateurs qui va chercher des inspirations classiques de films live que peu de gens ont abordé dans l'animation japonaise, tu vois. Tout cas, Godfather, je crois que c'est peut-être l'un de mes meilleurs films de Noël. Tu vois. C'est, il t'enchante tellement ce film sans te montrer des paillettes. Tu sais, c'est vraiment dur ce que tu vois. Oui. C'est des SDF en gros qui recueillent un bébé. C'est un mec qui faisait quand même plutôt des drames. Quoi, mais avec Paprika et Paranoia Agent, la dernière, il avait trouvé une espèce de. Il était passé à une autre dimension quand même. Au débordement d'imaginaire. Ouais. Là où il se disait, j'ai plus de limite avec l'animation. Il n'y a plus de limite. Il refusait totalement de faire du live. Hein. Il avait dit qu'il ne ferait jamais comme Otomo du live. J'ai regardé un peu les interviews les derniers. Il disait non, moi je fais pas de live, quoi, c'est hors de question. Il voulait vraiment rester là-dessus, alors que tout le monde voulait qu'il fasse du live en disant bah oui, mais il y a cette espèce de, comment dire, de sensibilité très réaliste. Est-ce qu'en faisant du live, il aurait eu cette sensibilité? Mais non, c'est pour ça, je pense qu'il voulait être entre les deux. Parce que possible. Justement, l'animation, ça, c'est vraiment impressionnant de voir que Kon, il prenait le cinéma comme acquis, il réutilisait le cinéma, mais il permettait aussi de nous montrer. Au-delà du cinéma classique, c'est-à-dire avec l'animation, tu peux aller toujours plus loin que le live. Perfect Blue, il y a eu un film live. Ouais. Qui n'a rien à voir, à la base, c'est une nouvelle. Alors, on peut parler. Tu peux pas avoir des tripes dans le live que tu peux avoir dans l'animation. À la fin de Paprika, regarde le générique de Paprika, le débordement d'imagination qu'il y a à la fin de Paranoia Agent, tu sais, où tout fout le camp. Tu peux pas le faire, à part avec des effets numériques et des budgets colossaux. Là, c'est. Et c'est pas pareil. Moi, j'ai. Donc, oui, si on parle du premier film avec Perfect Blue, c'est le. On peut parler d'inspiration qui t'a donné après. Il y a quelque chose de très Hitchcockien dans Perfect Blue, de très. Même du giallo, enfin, il y a quelque chose comme ça de très. Qui s'inspirait. Donc, les thrillers italiens. Et il a inspiré énormément de gens sur les thrillers après, les thrillers psychologiques. Ah oui, je pense que l'influence de. Il y a eu un avant et il y a un après. Sur le film, en film live aux États-Unis ou ailleurs. Avec Perfect Blue est hallucinant. Aronofsky. Hein. Et donc, oui, Aronofsky avec Black Swan, qui n'arrive pas à la cheville du mec, quoi. Enfin, voilà. Je veux dire, que t'aimes ou pas le film, hein, moi je ne l'aime pas. Parce que encore une fois, C'est un pompage non assumé. On rappelle que Aronofsky a acheté les droits de Perfect Blue, avait dit qu'il voulait en faire un remake, et il a copié plan par plan une scène, qui est la scène dans la baignoire. Il y a deux plans qu'il a utilisés dans Rocky Horror. Il a acheté les droits pour pouvoir le faire. Ouais. Et Perfect Blue, Kon raconte qu'il a rencontré Aronofsky au Japon, parce qu'Aronofsky voulait le rencontrer juste pour pouvoir acheter ses images. Et il lui avait dit que c'était un hommage. Et quand c'était des plans plutôt classiques. Hein, il aurait pu le faire, on s'en serait fichu. Mais il y avait vraiment de l'amour à l'époque. Oui. Et quand tu vois Black Swan, tu sens l'envie de prendre des idées, mais de même plus les assumer, quoi. Mais peu importe de ça, c'est juste que la folie que tu as dans le personnage de l'idol dans Perfect Blue est un milliard de fois plus subtile et compliquée. C'est-à-dire que Perfect Blue se termine, je sais pas encore, j'ai encore un doute
sur la psychologie de cette femme, quoi. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est pas vrai. Quand Black Swan, non, Black Swan, au quart d'heure, j'ai compris qu'est-ce qui était quoi. Parce que tu étais déjà habitué. Donc ouais. Perfect Blue a marqué quand même beaucoup de monde. Hein. Ça, ouais. Ça a vraiment traumatisé. Nous, on était ados quand on l'a regardé. Ça nous a vraiment subjugué. C'était son premier film, même pas fait pour le cinéma. Mmh. Il était tellement qualitatif. Ça se voit un peu. Ça se voit énormément qu'il n'est pas fait pour le cinéma. Il y a des problèmes d'animation, tout ça. Mais il était tellement qualitatif qu'au final, ils l'ont transposé au ciné. Mmh. Et clairement, c'est vrai qu'il en rachète beaucoup, des ouais. films. L'histoire ouais. est géniale. Si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être, allez, objectivement parlant, son meilleur film. Ah non, je suis pas d'accord. Ah si, objectivement, je te dis. Ah non, objectivement parlant, c'est pas son meilleur. Moi, mon préféré, c'est Millennium Actress. Ah, mais... moi aussi. Ah d'accord, ah, c'est bien. Ah bah oui. Ah, dis donc. T'es pas juste musclé, c'est... alors, c'est... tu as des bons goûts. Je suis aussi un homme sensible. non, mais oui, Millennium Actress, c'est un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre. Parce que là, il va te parler ouais. du cinéma, mais il va te parler de l'histoire du Japon. Oui. À travers et plusieurs époques. Et l'histoire du cinéma japonais ouais. à travers le cinéma du Japon. Et il arrive à te faire ça, et à travers l'histoire d'une vie d'une femme. Mm. Et il arrive à te rendre ça limpide, comme c'est possible. Nickel. C'est... Oh, et ce que j'adore avec ça... Ça dure pas très longtemps, 1h20. Hein, que... Oui, bah en plus, c'est vrai que c'est pas, ouais, c'est pas très long. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est à ce moment-là où il commence à faire des délires sur la... Enfin, il y avait déjà ça dans Perfect Blue, mais là, le mélange entre réalité, fiction, fantasme, etc., ouais, n'a plus d'importance, en fait. C'est oui. Il y a un moment donné où le caméraman et ceux qui interviewent l'actrice se retrouvent dans le film, enfin, se retrouvent dans un des films... Dans le flashback, en fait. Et ils disent, mais attendez, c'est le film ou sa vie? Ils savent même plus. Et ils commencent à intervenir dans l'histoire. Mm. Et genre, tu t'en fous. Genre, c'est ça qui est génial, tu t'en fous. Et ça m'a marqué à vie, quoi. Mais Satoshi Kon est un mec qui a une emprise sur moi. Et ça, c'est ça, quoi. C'était un déclic, je me dis, putain, c'est vrai que c'est génial, quoi. Alors, parlons et cette imagination et tout est génial. Parlons un petit peu du double. Et je pense que c'est un peu à cause de ça qu'il a une emprise sur les spectateurs. C'est qu'il va te... Il va vraiment te subjuguer avec des personnages extrêmement compliqués qu'on n'a pas l'habitude de voir en animation. Hein. Comme je vous dis, là, vous n'êtes pas dans le Naruto, on n'est pas dans du Miyazaki non plus. C'est très beau, mais ce n'est pas si simple. Là, on est vraiment dans quelque chose, ce n'est pas juste noir et ambigu. Non, non, c'est torturé à souhait. Chaque personnage a une profondeur. Donc le double, on vous disait là, donc là, il y avait l'introspection de l'auteur dans son manga, ouais. Donc qui il est, etc. Est-ce qu'il est le même personnage dans le manga ou pas? Dans Perfect Blue, t'as la femme qui est schizophrène. Ouais. Est-ce que vraiment une femme qui est schizophrène, oui, voilà. C'est ça le. Bon. Bon. Du coup, tu as la crise d'identité dans Tokyo Godfather, crise d'identité multiple même entre la jeune fille qui se cherche et le travesti qu'on revoit aussi dans Opus. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc. C'est un mec qui est obsédé par le double et trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Millennium Actress, c'est la même chose. C'est une femme qui raconte ce qu'elle était avant. Mm. Donc tu as la jeune, tu as la femme plus vieille. Elle actrice, elle plus vieille, elle dans le passé. La femme intime, enfin. L'histoire d'amour est super belle dans Millennium Actress, elle est vraiment très belle. Ouais, c'est beau. Et après, il y a quoi? Bah, t'as Paprika, t'as juste Paprika qui est deux personnages. Paprika qui a une influence aussi absolument hallucinante sur ça. Par exemple, Nolan l'a totalement confirmé. Oui. Il a confirmé qu'il avait appris. Et il a raison, il a raison. Mais Paprika, j'ai revu Paprika là, j'avais oublié les trois quarts des trucs, tellement c'est riche. Il y a tellement de choses. Mais Paprika, c'est un peu le opus. Tu sais, tu vas dans le rêve du rêve. Voilà, même si Paranoïa Agent précède là-dessus. Ah, et je suis pas d'accord. Ça fait longtemps que Paranoïa Agent, je l'ai vu. Ah oui, moi je l'ai revu là. C'est juste que moi je pensais que c'était pas le bon format. Pour Kon, parce que Kon, j'aime bien quand il arrive à bien te recentrer où tu es, et du coup, un film de 2 heures, ça lui permet de refermer ses portes. Là, je me suis dit, il en a ouvert tellement qu'à la fin, il s'est dit, oh, allez, je vais faire n'importe quoi. Non, bah, alors, honnêtement, Paranoïa, j'ai compris dès le début, parce que j'ai la force de connaître un peu Ah, mais monsieur est intelligent. Non, mais tu comprends dès le début qu'est-ce qui se passe. Tu vois, tu comprends ce qui se passe. Et oui, je suis intelligent. Et je n'ai pas peur de le dire, mesdames et messieurs. Il a des lunettes. J'ai des lunettes. Car j'ai des lunettes et une chemise. Et des favoris. Donc. Où j'en étais. Oui, Paranoïa Agent, c'est... Moi, honnêtement, quand je l'ai revu là, je me suis dit c'est quand même génial qu'il ait pu faire cette série, parce que c'est une série somme, en fait. C'est, ouais. Il met toutes ses obsessions, il revient sur les autres films de sa carrière avant, il revient même sur Paprika, alors qu'il l'a pas encore fait, mais il revient sur des délires, et des choses, et il arrive à t'amener tout ça. C'est que là où je suis pas d'accord, c'est chaque épisode est indépendant, quasiment. C'est-à-dire que t'as une problématique, mais à chaque épisode ne se termine pas. En fait, quand tu les revois bien, ils se terminent. Ouais. Ils se terminent d'une autre manière. Par exemple, il y a un épisode qui est assez génial sur trois personnes qui veulent se suicider. Et j'ai lu des trucs, en fait, je sais pas si tu te rappelles de cette épisode. Bon, en fait, non, je peux pas te spoiler, mais en fait, tu comprends
vraiment qu'est-ce qui se passe à la fin quand tu regardes bien l'animation. Là, tu me perds. Mais je peux pas. Bon, en gros, tu vois qui. Bon, en tout cas, c'est. Non, non mais. Et la fin est quand même. Est assez... La fin est très proche de Paprika. C'est exactement ça. La même chose. C'est pareil. Et c'est pareil, c'est sur l'imagination, etc. Et puis l'idée est quand même géniale, c'est ce garçon à la batte que les gens appellent parce qu'ils sont coincés, aliénés. Et ça, c'est un truc que t'as pas dit parce que par rapport au double, et je pense que c'est ça aussi qu'il traite dans tous ces films, c'est l'aliénation. Mm. C'est-à-dire, les gens qui. Et ça, c'est pour ça que c'était un mec, un vrai réalisateur japonais, c'est qu'il parlait de la société japonaise. Et il a dit d'ailleurs que, par un agent, il le voyait comme un film anti-suicide, anti-dépression. Parce qu'il disait que, en gros, la société japonaise avait un mal profond qui était un mal psychologique, quoi. Et ça, ça a été la mode de faire dans les années 90-2000 des anti-suicides. Cette films, série, j'ai revu là et je me suis dit, c'est incroyable à quel point il avait visé juste quoi. Qualitativement parlant, elle était tarée. Ouais. Visuellement, c'est peut-être si une des plus belles séries des années 2000. Enfin, l'histoire, bon, il n'y a pas vraiment à raconter trop d'histoire, mais en gros, il y a un gamin à la batte qui apparaît, comme ça, on ne sait pas d'où il vient. Et les gens, dès qu'ils sont dans quand ils ont un problème d'aliénation, qu'ils ont envie d'être différents, d'être quelqu'un d'autre. Enfin, ça, on le sent pas vraiment. Enfin, on te l'explique pas tout de suite. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus de faire ça, chaque épisode fait des références à la culture populaire, que ça soit au manga, parce qu'à un moment, il y a des scènes de manga coupées, par exemple, à l'animation classique, mais après, il y a de l'animation un peu pop art, après, il y a de l'animation en papier découpé, enfin, c'est un format qui lui a permis de faire plusieurs trucs. C'est ce que je dis, c'est que ce qui est génial avec ce format, c'est que ça lui a permis, parce qu'il est mort après, donc au final, il vaut mieux qu'il l'ait fait, enfin, même si ça déborde, ça vaut le coup maintenant de le revoir après qu'il soit mort, parce que tu comprends qu'avec cette série, il a un peu terminé. Enfin, sa carrière a quand même un gros. C'est un bon truc, quoi. Il a eu un sommet, hein. C'est vrai que visuellement. Argent et Paprika, c'est voilà. Son sommet artistique. C'est ça. Tu te dis, il aurait pu faire une. Mais il aurait pu devenir le nouveau Miyazaki, tu vois. Du coup, les robots, je sais pas trop. Enfin, les robots, je sais plus. Dream Machine. Bah, c'est pareil. Quand tu sais que ça va être sur la robotique, ça va être encore sur le double. Il va explorer une autre facette de son thème. Et c'est vrai que quand il l'avait annoncé, ça avait l'air formidable. Ok, Paprika. J'ai vu 2-3 images qui étaient tombées sur Internet. Ouais. Et tu as eu sinon, je crois que c'est peut-être sa dernière œuvre, le petit court-métrage d'une minute de Annie Cooley. C'est la chaîne NHK qui avait commandé à plein de réalisateurs de prestige, de renom du moins, de faire un court-métrage de 1 minute. Et tu avais Cohn qui a fait juste sur les 15 courts-métrages le meilleur. Ouais. Une femme qui se réveille tout simplement et qui pareil se dédouble. Et qui se dédouble, oui. Et qui, lorsqu'elle s'en va enfin de chez elle, tu sais, il y a toute la phase de réveil. La douche. Oui, en fait, c'est l'idée que tu te dédoubles quand tu te réveilles, que tu n'es pas vraiment en phase avec toi-même. Voilà. Donc, du coup, et c'est comme des fondus enchaînés, en fait. Enfin, et c'est super beau. C'est deux personnages qui se superposent et une est plus ralentie que l'autre. Ouais, totalement. C'est super beau. Une petite merveille. Je suis sûr que vous la trouvez sur YouTube. C'est vrai qu'il a fait ça simplement, quoi. Il a dit. Et putain, j'aimerais bien avoir une idée comme ça une fois. Mais en une minute, c'est con, mais c'est tellement beau, c'est bluffant. Et puis, il y a la qualité visuelle de l'auteur, c'est génial. Mais ouais, mais je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas encore de successeur à ce mec-là. Quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il a eu un impact énorme sur le live, sur le cinéma en général, occidental aussi, vachement. Aronofsky, même Nolan un peu, mais d'autres, je veux dire. Il y a vraiment quelque chose comme ça, que les gens se sont reconnus là-dedans. Mais que dans l'animation japonaise, moi, ça a été un trou énorme. Je ne retrouve pas la sensation que j'ai depuis des derniers films de Cohn. Enfin, vraiment. Mmh. Et je ne veux pas faire mon vieux Cohn. Disons que c'était le seul qui avait cette thématique et qui allait autant en profondeur dans un film. Oui, mais c'est parce que c'était de l'animation que c'était intéressant. C'est ça qui était. Il arrivait à concilier les deux, live et animation, et à essayer d'en faire une synergie, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment, ça. C'est génial. C'est génial. C'est génial. On est blasé. Pourquoi... C'est pas vraiment un débat. Pourquoi il est mort? Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et franchement, ça nous a fait vraiment mal au cœur. Ah ouais, j'étais triste. Ouais, clairement. Bon, moi, ça m'a pas fait autant mal au cœur que Osamu Dezaki, mais ça m'a fait mal. C'est vrai qu'Osamu Dezaki, t'étais très triste. Non, mais ils ont enchaîné aussi tous, là. Oui, c'était fatigant. Le réalisateur de Macross aussi et tout. Était quand même... Ouais. Bon, allez. Ce n'était pas cool. Bon. Je te remercie d'être venu. Mais de rien. Et je te fais plein de bisous et encore joyeuses années. Eh ben, je vais les donner à toi aussi, puis je vais les donner à vous, les 5 spectateurs de ma cast. Salut. Salut. Donc, salut. Salut. Vous êtes nouveau. Il y a quelque chose de changé, là. Un jean craqué. Alors, il parle parce que j'ai un jean craqué et c'est très visuel, en fait. Oh, tu parles, espèce de punk. C'est dur, hein, c'est dur. J'ai pas de croque de nez, là, il n'y a pas de persil. Non, moi j'ai un jean craqué, tu sais pourquoi? Parce que quand je pète, comme ça s'en va, ça reste pas à l'intérieur. Alors,
Je vous ai posé la question sur le Facebook de Bacast. D'ailleurs, rejoignez-nous sur le Facebook de Bacast, hein, parce qu'on donne plein d'informations. Gna, 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 non, arrête, ils ont déjà créé 3 comptes chacun. quel est l'animé, enfin, qu'est-ce qui vous a fait kiffer cette année? Et du coup, vous m'avez donné pas mal de réponses. Donc, alors, il y a Alpo, ce cher Alpo, vous savez, qui est venu cette année. Qui a toujours le truc plus nul, c'est formidable. Non, je rigole, c'était une blague. Fallait rigoler. Il est moche, mais des fois, il a des bons goûts. Là, c'est la seule fois que j'ai vu qu'il avait un bon goût, mais il a parlé de Space Battleship Yamato 2199. La série reboot encore et encore et encore de Matsumoto. On revient toujours à Lady Matsumoto. Ça m'étonne, hein, quand même. Non, c'est Madoka, il a dû faire... Non, cette série, elle est magnifique, mec. Elle est sublime. Elle est trop, trop belle. Hâte que ça sorte en France, mais ça sortira jamais en France. Donc, du coup, on en profite. Donc, désolé déjà. Hiraoka Kisloski, qui parle de Shingeki no Kyojin. Ouais, bien sûr, t'es pas le seul. Tu parles aussi d'Evangelion, le dernier film, Q. L'attaque des titans, bien sûr, c'était l'événement de l'année. Un gros, gros événement. Pour les autres, sauf pour moi. Il y a David Leflemme aussi qui en parle. Et toi, tu parles aussi de Kill la Kill. Merci. Là, voilà. 10 fois 2. Kill la Kill par Imaishi, celui qui avait fait Punch and Stalking et Gurren Lagann. Sauf que cette fois, c'était pas au studio Gainax. Parce que Monsieur Leflemme aime voir des filles à moitié nues, comme Ryuko. Bah écoute, moi. Bah oui. Eh bah oui. Tu vois, j'ai parlé avec Alpo et il me disait qu'il aimait pas ça. C'était trop un déballage, etc. Facile, gratuit. Oui, mais... Je vois pas vraiment ça dans cette série. Effectivement, tu vois une sorte de tissu qui passe entre deux lèvres à chaque fois. Mais c'est très étonnant. Mais c'est tellement ouf parce que c'est toute la classe de Punch and Stalking, sauf que c'est pas l'animation flash. C'est de la vraie animation. C'est violent, il y a du combat, génial. On voit les. Non, c'est cool. Tu as Pierre Bénard Domegue qui parle de Kill la Kill, mais aussi Diamond No Ace. J'ai pas vu. T'es en train d'écorcher tous les noms. Quoi? C'est un régal. Bah non, attends, il y a deux S mais dans non. Son prénom et dans son nom, donc je les ai pas dit parce que je me dis que ça fait Pierre Besnard Domesgue. Je pense pas que c'est vrai. Donc tu vois, je l'ai pas écorché, je suis sûr. Et dis-le moi, mec. Noé Bordier nous parle de Kyukai no Kanata, donc la série qui avait parlé Alpo la dernière fois. Effectivement, il y a Kyoto Anime qui l'a fait et c'est vraiment très très beau. Florence Guillaume qui parle de After School Midnighters. Ça me fait plaisir parce que je ne l'ai pas vu. Du coup, c'était un long métrage qui est sorti en salle, en France, dans, bon, bien sûr, les trois salles du Pécor, quoi. Et voilà, j'aimerais vraiment beaucoup le voir parce que visuellement, ça a l'air d'être assez taré. C'est sorti à l'époque d'Halloween. Romain, c'est à peu près ça? Ok. Et puis, t'as vu, là, je vais faire court. Julien Faure, David de Quimper, Back and Gay, François. Loulieu, je crois que j'ai mal écrit son prénom. C'est comme ça, c'est Leieux, moi, je pense. Mais oui, ça. Carrément, ouais. Mais tu as raison. Parce que je serais un bon prof, moi, je serais le mec qui massacre les noms, genre Cédric Senet. Ouais, connard, c'est pour ça qu'il y a un accent, c'est pour ça que... Bon, c'est... vous autres, vous avez marqué Albator et vous avez marqué juste énorme. Et vous avez raison. Mais ça, je sais que c'est faux, ça. Je sais que vous n'avez rien vu cette année, c'est juste ça. Que vous avez vu qu'il a dit 6 fois Albator dans une news. Et vous vous êtes dit, tiens, on va remonter dans son estime. Parce que si vous avez voulu remonter dans mon estime, ça aurait été n'importe quel hentai. Non. Franchement, c'est pas bien, les gars. Soyez objectifs un petit peu. Ouais. Vous êtes des génies à dire ça. C'est génial. Non, il faut dire la dernière vidéo d'Umemaro 3D. Tu vois ce que c'est, j'espère. Et toi, Cédric? Moi, c'est Kill la Kill. Comme je t'ai déjà dit. Bah, de toute façon, cette année, c'est simple. Je regardais les synopsis de tous les trucs, je regardais deux images et un trailer et tout m'a fait vomir. C'était 2013, l'année de la purge. Alors franchement, à part au cinéma, mais les animes, c'était une catastrophe. Hein. C'était, Les animes d'automne, ça va, il y a eu quand même des sorties sympas. Même les mangas papier, il y a eu non, on peut pas dire ça comme ça. Il y a eu la ressortie d'Albator, c'est le mec qui n'en finit pas. Que les excréments, je... Non, t'as eu Silver Spoon, t'as eu... La réédition de Master Keaton, c'est tout. L'attaque des titans, c'est con qu'on aime ou pas, ça a fait un gros buzz, un gros événement original. C'est comme quand t'as plein de gens qui disent que ça c'est bien, moi je devrais dire que c'est bien, franchement j'ai regardé le premier épisode, c'est... Ah mais t'as raison, ne sois pas un mouton. C'est pas assez violent, ils montrent trop de trucs, je sais pas, c'est... Moi je pense clairement que 2013 a été assez riche, mais qu'il n'y a pas eu de chef-d'œuvre. Par contre, je suis un peu triste, j'ai pas vu After School Midnighters, mais j'ai pas vu aussi Le Vent Se Lève. On n'a pas vu le nouveau Takahata, d'accord. On n'a pas encore vu La Vie de Bouddha.
Voilà, il y a pas mal de films qu'on n'a pas vus. Ah, mais et ça va pas changer notre vie, je pense. Je pense que. Je me vois pas avec un t-shirt vent... La vie de Bouddha. Je pense que Le Vent se lève va peut-être changer ma vie, quoi. Savoir que c'est le dernier Miyazaki, tu vois. Oh, non, non, non. Ah, j'ai pas vu aussi Re-Cyborg 009 de Kenji Kamiyama, qui a l'air 3D. Génial. Oui, c'est de la 3D, mais en connaissant le bonhomme, ça va être génial puisqu'il a fait Den of the East. Bon, il a surtout fait Ghost in the Shell, Standalone Complex. Voilà, alors toi, c'est Kill la Kill. Moi, je te dis que. Allez, parce qu'il y a rien. Non, 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 plus kiffé que ça. Tu vas pas dire l'attaque des titans. Moi j'avais Kill la Kill. Tu dis Kill la Kill. Mais je te dirai Albator parce que voilà. Voilà Albator. Tu m'as fait flipper. J'ai cru que t'allais nous sortir l'attaque des titans. J'allais te dire alors là, on arrête l'émission. Non, mais. Par contre, on va vous. Alors oui, petite news de début d'année puisque le nouvel an est passé. D'ailleurs, si vous voyez nos cernes, c'est parce qu'on est complètement ravagés par les gueules de bois et compagnie. Et donc, on continue Bacast toutes les deux semaines, en moyenne, si j'arrive à tenir le rythme. Et donc, on fait un gros bisou aussi à Animeka, notre super partenaire. Gros bisou vraiment à vous. Et continuez ce super travail. Et vous, les amis, n'hésitez pas à aller sur le site parce que c'est vraiment très bien. Cliquez Animeka.com. Voilà, si vous voulez des informations sur les staffs ou autres, et si d'ailleurs vous voulez écrire un petit peu, eux ils recrutent toujours, donc n'hésitez pas à les contacter. Car ça nous fait plaisir, et ça vous fait plaisir. Voilà. Quoi d'autre ? Oui, on est maintenant sur iTunes, et oui on est revenu. Vous pouvez nous télécharger aussi en DDL, hein, direct download. N'hésitez pas à aller sur le site Cinefuzz, il y a tous les liens à chaque fois qu'on vous met. Donc, suivez-nous en RSS et tout, enfin tout le tremblement. Comme ça, vous pourrez les collectionner, les échanger. Exactement, c'est ça. Et collectionner un bac à sur un disque dur, c'est la classe. Hein, sachant que les épisodes shoujo valent double. Donc, toujours SD et HD. Hein. Les épisodes shoujo ne sont pas encore, puisqu'on vient de se relancer sur iTunes. Ah, ils sont extrêmement rares, si vous les avez. Non, mais ils sont sur YouTube, ceux-là. D'ailleurs, j'ai commencé sur iTunes avec le Cyberpunk, l'épisode du Cyberpunk qui n'était plus disponible sur YouTube. Ils l'ont laissé cette fois-ci ? Non, iTunes c'est bon, mais c'est YouTube qui ne le voulait pas. Ok, ouais, c'était ça. Voilà, quoi d'autre à part... on a d'autres bonnes nouvelles ? Bah, ouais. 2014 ça s'annonce très bien en animé, puisqu'on va voir les Miyazaki, les Takahata, tout ça, donc ça va être très très bien. Nous, en tout cas, on fait des gros gros bisous de la part de toute l'équipe de Cinefuzz, que ce soit Fabien, Romain, le mec qui est à côté de moi tout à l'heure, Raphaël ou Ben, les gens de l'obscurité de Cinefuzz, hein, mais qui sont là grâce à eux. Vous avez des émissions. Et gros bisous de la part de Philippe. Et donc de Cédric. Pas vous le dire. Ah, moi, je vous fais des léchouilles, hein, c'est pas pareil. C'est plus convivial. Bon, en tout cas, merci de nous suivre, vraiment, ça nous touche toujours. Merci de nous suivre sur Facebook, d'être aussi actifs. Ça aussi, ça nous touche toujours. Et vas-y, dis le mot de la fin. Ips. On vous embrasse. Sarah, mignonne, tu brilles, 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 brilles. Attends, faut que je chante, attends. C'est bon, je sais ce que je vais chanter. Tu peux même commencer à te teuter. À mettre ton doigt dans la bouche. Ouais. Avec l'autre plutôt. Boumbo, boumbo, petite automobile, pile, qui paraît si fragile, pile, ton drôle de capot, boumbo.